This young queen has successfully raised her first daughters beneath the leaf litter of the rainforest floor. The nutritious fungus she fed them as larvae is now dwindling. If they don't find food quickly, they will all starve. Ça, les rancunes. Ouais, les rancunes, je connais bien. Ouais, je connais le concept, t'inquiète pas. Comme je te dis, j'ai quelques bases quand même. Moi, je suis plutôt fan de 40 000 à la base. J'ai pas encore de figurine. Ça fait quelques temps que j'y pense de plus en plus, par contre. The small scouting party of minor workers could lead any number of deadly jungle creatures back to their undefended queen. They will need time and luck on their side. The workers have located a patch of young seedlings, just what they were looking for. The leaves are soft enough to be sliced up with ease and carried back to the nest. Ouais, on commence au même niveau, j'ai l'impression, ennemi et moi. The harvested leaf chunks are not eaten directly. Instead, they are used by the very smallest minim workers to cultivate a nutritious fungus. A brightly patterned jumping spider, Cercaspide purpureus, has subdued one of the workers. This expert solo hunter combines extreme agility with incredible forward vision, allowing it to pounce on unsuspecting prey with pinpoint accuracy. J'ai une armée d'orcs entièrement convertie sur 40k avec un big boss dans les sculptés des parties que j'ai baptisé Che Guevara. Oui, ça me paraît un nom totalement adapté. Ravage. Ah, pardon. Chegui Ravage. Mais ça marche aussi. C'est rigolo. Allez, on ramasse la... On va mettre des soldats du coup pour éviter le problème que j'ai eu tout à l'heure, mais c'est 80 le premier soldat. Napoléon comme perso spécial. The battle has begun. Agnès c'est mort. Je perds la ville, hein. Enfin les ressources. À cause de l'araignée, encore une fois. Elles sont chiantes ces araignées au début. The most accessible leaves are located to the north of the nest entrance. However,
Another Atta colony has already laid claim to them. The close proximity of these nests places the two colonies in direct competition with one another. Time will tell which has the potential to grow into a great empire, and which will submit to the unforgiving law of the undergrowth. D'accord, ça je le connaissais pas pour le coup. Ah, mais je suis vraiment un connard. Oroperipatis ecuadoriensis. C'est dingue, après autant de parties, j'arrive toujours pas à savoir où sont exactement les mobs. This young queen has successfully raised her first daughters beneath the leaf litter of the rainforest floor. The nutritious fungus she fed them as larvae is now dwindling. If they don't find food quickly, they will all starve. Si je suis trop près, là on va regarder. On lancera puis on est au début, c'est pas grave. Non, c'est bon. The small scouting party of minor workers could lead any number of deadly jungle creatures back to their undefended queen. They will need time and luck on their side. The workers have located a patch of young seedlings, just what they were looking for. The leaves are soft enough to be sliced up with ease and carried back to the nest. Okay. D'ailleurs, ils sont fait attaquer par une espèce de grillon là-haut. Où ils ont perdu un peu de temps. The harvested leaf chunks are not eaten directly. Instead, they are used by the very smallest minim workers to cultivate a nutritious fungus. Over time, waste builds up in the fungus gardens, and if left unchecked, it can attract necrotrophic parasites. To deal with this problem, Atacephalotis dig out subterranean waste heaps, preferably as far as possible from the healthy nursery chambers. Hop, hop. The ants' activities outside the nest have not gone unnoticed. They are being watched. Voilà. Allez. Et retourner les aider. De l'autre côté, parce que les araignées elles se baladent. Ah putain, mais
c'est pas possible. Elles sont grosses ces fourmis là aussi. Là, on va faire hein, du coup mes soldats qui vont accompagner tout ça. Donc 10, 11, 12, 13, 14, 15. The most accessible leaves are located to the north of the nest entrance. However, another Atta colony has already laid claim to them. The close proximity of these nests places the two colonies in direct competition with one another. Time will tell which has the potential to grow into a great empire, and which will submit to the unforgiving law of the undergrowth. Ah. Vite les feuilles. J'ai pas besoin d'en mettre plus ici. Allez, ils ont toujours pas posé les œufs. Qu'est-ce qu'ils foutent? Ils sont ralentis parce qu'ils sont malades, comme de par hasard. Première soldate. Il y a déjà tellement plus que moi. Les ouvrières sont ralenties quand elles transportent, mais ce qui n'est pas le cas des soldats. Mais je sais pas si c'est worse, puisque il faut 4 ouvrières pour un soldat en termes de coûts. Eux, pour le transport, ils utilisent quoi? Ils utilisent 1 pour 2, j'ai l'impression, hein, plus ou moins. Hein. As the sun sets below the horizon, and the thick rainforest canopy shrouds all but the slightest glimmer of moonlight, the predators of the night begin to emerge. Ouais. Effectivement, ça va beaucoup plus vite. Hein. Allez, allez.
Ouais, mais je pense que 4, ça reste plus rentable quand même. Peut-être pas sur le méga long terme, mais... L'intérêt, c'est qu'elles peuvent se battre aussi. The ants must defend themselves. The battle has begun. Ça, battle has begun. C'est pas. De 1 pour 2 ici. Ça sera fini évidemment. Je sais pas si sur les petites sont aussi accélérées. Si jamais elles marchent. A young velvet worm, Oroperipatis ecuadoriensis. Si jamais elles marchent sur les routes. Hein. These ancient mysterious predators are masters of ambush. They creep toward their unwitting victims silently on soft hollow legs. Once in range, they squirt oscillating streams of slime, forming a wide net that entraps their prey. DPS substantiel, santé modérée. DPS élevé, santé élevée. Une demande religieuse quelque part par là, je l'avais vu tout à l'heure. Pas une demande religieuse, ça je reconnais. An ant has fallen prey to a wandering harvestman. Its long, slender legs keep its vulnerable body elevated high above the leaf litter. And when threatened, it can release strong smelling odors to deter other predators. A stern response will be needed to drive this striding nuisance away. A Paracanthus varius bush cricket has spotted the ants. Its thorax and appendages are adorned voilà, with merdier par là, on va aller par là-bas, spikes, offering 360 degrees of protection and turning its substantial trois araignées plus machin plus truc. This spiny devil will not easily be deterred. The ants have uncovered a small velvet worm hiding underground. It will defend its home fiercely. Merde, c'est
Les miscriques là. On va mettre des ouvriers classiques pour aider à la logistique. Daybreak has arrived. And the creatures of the night scurry back to the dark crevices of the undergrowth. For the ants, however, the objectives of the day remain unchanged. Locate vegetation, defend supply lines, and process leaves. There is no time for rest. T'inquiète pas, on se repose pas, Billy, là. On ne se repose pas. A brightly patterned jumping spider, say Casviri D. purpureus, has subdued one of the workers. Ah, fait plus grand chose, le spider, là, hein? This expert solo hunter combines extreme agility with incredible forward vision, allowing it to pounce on unsuspecting prey with pinpoint accuracy. One of the ants has fallen prey to a young, leaf-mimic praying mantis. Once in range, its long razor-clad forelegs can ensnare and impale victims with lightning speed. Pas trop loin non plus. Non mais c'est quoi ça? C'est de la merde partout en fait. Peu importe où je vais, c'est la baston. Merci. Eva.
On va se mettre du coup des petites araignées tank là comme ça. Une par par côté. Leafcutters aren't the only ants nearby. Whilst the two Atta colonies joust for territory, Odontomachus bowri trap jaws roam the clearing. They can be found hunting alone or in small packs for vulnerable invertebrates to take back to their nest. They use snapping jaws to bludgeon their targets, exerting 300 times their body weight in a single blow. C'est ça que j'aime pas faire des deux trucs différents en vrai. Et bah merde, du coup je les ai mis à côté. The leafcutters have raised their first major ant. Its swollen head is filled with muscle to power its crushing jaws. Few stand against it in combat and escape unscathed. This champion warrior will make a fine addition to the colony. Ah, qu'elles sont vachement grosses, hein. The ants must defend themselves. Overwhelmed by the defensive leafcutter forces, the harvestman decides to make a swift exit. En fait, le bon plan serait peut-être de prendre des ressources qui sont directement à côté de chez eux. Genre ces trucs là. Feuilles et tout, ça va. Peut-être augmenter la taille de ça. On retire pas assez vite les déchets, j'ai l'impression, par rapport à ce qu'on ramasse. The battle has begun. Pour 4000, le ratio est affreusement en ma défaveur. Hein. On va le mettre là-bas, mais
À terme, ça sera une force offensive. On va essayer en tout cas. C'est vrai qu'ils arrivent les bestioles la nuit. Ok, on est reparti. Ah, celles-là, elles sont vénères. Hein. Cette limite. Night falls, and under the cloak of darkness, velvet worms, bush crickets, and harvestmen emerge from their hiding places. Any ant straying from the relative safety of the trail will likely meet with an unfortunate end. Toujours 4000 d'avance, hein. These leaves are contested. The leaf cutters will generally not attack unless provoked, but tonight there is too much at stake. Only a strong show of force will deter the opposing colony. Ah, il y en a plus de force. Hein. C'est mort, c'est lui qui bloque toutes mes forces. La musique est très très drôle et c'est tout le temps comme ça. Je la trouve très chouette. The colony is starving. There's not enough food to feed the new brood. Ah bon. The opposing leaf cutters have retreated from one of their harvesting sites. They may have been easily startled this time, but they'll soon be back, and in greater numbers. Mais les criquets là. Taille de ce truc là, bordel. Mmh.
Toujours 4000 de retard. The leaf cutters have clashed northeast of the nest. Dans la nuit, c'est quand même la barbe à merde à chaque fois. Ah, elles font du focus en plus, les saloperies. Je veux dire, je suis bête, c'est normal. Qu'elles fassent du focus. Puisque les bleus, ils prennent l'aggro. Non, mais après ça... Enfin, dis-moi le nom du livre plutôt que le nom de l'auteur, parce que sinon je te dirai non dans... 90% des cas. Et ce, même si j'ai lu. Horrible, ouais, là ça s'annonce compliqué, hein. Predators are loose in the nest. Mais c'est eux les bleus en plus, enfoirés. Les fourmis. Ah bah il y a un autre jeu de... Bah d'accord, il y a un autre jeu de stratégie. Je sais pas si c'est un autre jeu de stratégie. Is in imminent danger. Mais quoi? Oui, c'est ça. Mais oui, mais je sais qu'il y a un livre. Non, mais c'est bon, j'ai compris. Mais il y a un jeu qui est basé sur ce livre. Qui doit sortir en septembre, je crois. Je suis pas sûr hein, pour la date, mais... A fully developed velvet worm measuring a titanic 7 centimeters in length has come face to face with the ants. Only a coordinated, multi-pronged effort by the soldiers will be effective in subduing this mammoth predator. Je vais faire un C encore, moi. Non, peut-être pas un STR, pour ça je me suis repris, mais en tout cas oui, c'est le jeu est basé sur ce livre. Je connaissais pas la personne, mais je sais que j'ai basé sur les fourmis de tatata. Alors à moins qu'il y ait deux livres. The diurnal jungle invertebrates emerge once again to replace their nighttime counterparts. The ants will remain steadfast in their efforts. All must be risked for the harvest. Un peu de chance. Thank you.
Oui, non, je veux dire deux distances différentes, quoi. Allez, on va tabasser là-haut. On va essayer d'interrompre leur ligne de prod. The leafcutters have clashed to the northwest. Et on va se servir de cette armée que pour l'interrupt. Taille en pièces là, c'est parfait. The opposing Atta colony has retreated from one of its sites to the northwest, leaving unguarded foliage ripe for the picking. Encore un criquet, ça? Ouais, elles sont beaucoup là. Elles sont beaucoup, les saloperies. Elles sont beaucoup, beaucoup même. Elles sont beaucoup, mais elles vont peut-être être affaiblies par le criquet ou. Oh, remarque, elles sont beaucoup trop, je pense. Et elles vont nous arriver dans la bouche! Trop. 13 600, c'est la loose encore. Toujours 3000 d'avance. Alors on va essayer de faire une attaque sur leur machine, je sais pas si ça marche. On va essayer dès le début, mais j'avoue que j'ai pas pensé. J'aurais pas le temps, je pense. The battle has begun. Ouais, on va porter tout ça. Et 14 000. Il peignait des figurines.
Comment que je peux, qu'est-ce que je peux faire? 1, 2, 3, paf, pastèque. This young queen has successfully raised her first daughters beneath the leaf litter of the rainforest floor. The nutritious fungus she fed them as larvae is now dwindling. If they don't find food quickly, si c'était bien la question quand tu disais tu étais sur quoi? J'avais dit même de faire un shout-out. J'étais pas là, bah voilà. Bravo. Plus il a écrit dans le chat, il a écrit ouais franchement ta modératrice elle veut pas faire de shoutout et tout, c'est pas cool. J'espère que t'es fier de toi. The small scouting party of minor workers could lead any number of deadly jungle creatures back to the undefended queen. Bah oui, j'espère que tu pourras t'excuser plus souvent que ça, avec un petit peu plus de, hein, un petit peu plus de punch. The workers have located a patch of young seedlings, just what they were looking for. The leaves are soft enough to be sliced up with ease and carried back to the nest. Bah, moi, j'avais un doute. Hein. Et vu qu'elle a dit « j'étais pas là bah, », ça a confirmé mon doute. The harvested leaf chunks are not eaten directly. Instead, they are used by the very smallest minim workers to cultivate a nutritious fungus. Over time, waste builds up in the fungus gardens, and if left unchecked, it can attract necrotrophic parasites. To deal with this problem, Atacephalotis dig out subterranean waste heaps, preferably as far as possible from the healthy nursery chambers. Voilà, mieux. The ants' activities outside the nest have not gone unnoticed. They are being watched. Que du coup je sais pas si je dois les interrompre ou pas. Ils avaient dit un conseil mais les couper collecte nature de manière proprement. Ouais. Ah, ça rien d'intéressant. Donc je vois ce qu'ils conseillent. Ils avaient dit juste de se défendre contre les incursions, mais ils font mal l'incursion. Donc je sais pas. Civil en un tour avec une armée. Ouais. Enfin, moi, je trouve ça dommage, justement, qu'il énerve. Hein. J'aime bien quand ça me résiste, personnellement. Je trouve ça stimulant. Je joue à Total War Warhammer. Hein. Je sais pas lequel, par contre. Le 1, le 2 ou le 3, on sait pas. A priori, plutôt le... J'irais 3, parce que... C'est plus récent. C'est pas. Hein. On a beaucoup qui sont encore sur le 2. Les civils, ça n'existe pas avec les hommes bêtes. C'est les humains... Enfin, c'est les hommes bêtes ou c'est les autres, tu vois, il n'y a pas de... Concept même de civil, bon... Tu finis avant toi. Ouais, encore en plus, aujourd'hui je dois finir tôt. Demain j'ai la salle.
Civil. Ah oui, pardon, pardon, pardon. The colony is starving. There is not enough food to feed the new brood. Pardon, pardon. The most accessible leaves are located to the north of the nest entrance. However, another Atta colony has already laid claim to them. The close proximity. Comment vous conseillez par la créature? Oui, mais je suis premier coupé la touche importante dans la colonie. Amenez un petit morceau de feu avec elle. Ouais, ouais, ouais. En tout cas, l'île d'approvisionnement ennemi repoussera peut-être les fourmis temporairement, mais tandis voilà lorsqu'elles reviennent en représailles en plus grand nombre. Il sera peut-être plus sage de les repousser. Récupérer rapidement les feuilles puis se replier. D'accord, oui. Si, en fait, faut quand même. Faut quand même attaquer les lignes d'approvisionnement en fait. Hein. Elle n'est pas trop forte la musique par rapport à ma voix, ça va? Enfin, je me demande. Un peu. Et vous comptiez me le dire ou faut que je le demande? Saloperie de jeune. Ouais, c'est bizarre, hein, c'est quand j'ai Alt Tab, j'ai l'impression que c'est devenu fort d'un coup. A brightly patterned jumping spider, say Casviri D. purpureus, has subdued one of the workers. This expert solo hunter combines extreme agility with incredible forward vision, allowing it to pounce on unsuspecting prey with pinpoint accuracy. 30 bits pour ça. Et désormais, je peux dépenser de l'argent pour montrer que je boude. Donc je peux te soutenir worm, tout en dépensant du pognon. Tout en te faisant chier, pardon. These ancient mysterious predators are masters of ambush. They creep toward their unwitting victims silently on soft hollow legs. Once in range, they squirt oscillating streams of slime from the wide net that entraps their prey. Voilà. Bon, du coup, on va faire des fourmis un peu plus vénères. On va faire de Chiantos. Non. Chiantos, Chiantos. Les petits bonbons là. Non, pas du tout. Mais il est bien emmerdé. Alors, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, Kirin, justement. Alors, pour ce jeu-là, non. Mais, enfin, je crois que non. Mais il y a un jeu qui sort fin d'année qui est effectivement basé sur ce livre. As the sun sets below the horizon, and je sais, on me le dit des fois. Ouais, c'est toi qui fais le nain dans le donjon de Nelbuck. Pas du tout. C'est vrai, parce que parfois quand tu parles, tu prends un peu son accent. Ouais, mais non. Ah bon, pardon alors. Non, je le fais spontanément. Mais qu'est-ce que c'est que cette horreur encore? Tu lui ressens? Eh, la chirurgie esthétique fait des miracles. Fallen prey to a wandering harvestman. Its long, slender legs keep its vulnerable body elevated high above the leaf litter, and when threatened, it can release strong-smelling odors to deter other predators. A stern response will be needed to drive this striding nuisance away.
The colony is starving. There's not enough food to feed the new brood. Mais si, c'est bon, t'inquiète. Ah, on me l'a jamais dit, Maid Rose, donc je suis pas sûr. Overwhelmed by the defensive leafcutter forces, the harvestman decides to make a. Ouais, peut-être que le ranger est moins connu aussi. Ils se battent contre quoi là? Il y a une patte toute seule. On a laissé... Ah oui, d'accord. Écoute, j'y penserai. Poli. Sur le prix de bestiole. Ça, le prix de bestiole. Ça n'existe pas, les bestioles comme ça, c'est sûr. Ça sort de l'imagination malade de l'auteur, du créateur. Ailleurs qu'en Europe. C'est, après, je me doute bien que ça existe vraiment, mais je n'accepterai pas cette réalité. Je refuse de vivre dans un monde aussi cruel. De The Boys. Nul. Comment ça te taper? Tu les aimes pas? On aime bien, on dit je viens de savourer. En même temps, The Boys. Bah, c'est ça. Non, mais, voire dévorer. Dévorer, ça va. C'est vrai que se taper, ça fait un peu corvée. Enfin. Ah, sauf si c'est sa secrétaire, PTD. Non, pardon. C'est plus une saison, oui. Moi, je peux pas regarder The Boys, c'est trop violent pour moi. Où tout est basiquement dangereux, mais faut pas y aller dans ces pays-là. Faut pas y aller. Plutôt cool, peut-être. Je ne dis pas le contraire, mais c'est quand même trop violent pour moi. Tu sais, dans le fond, je suis quelqu'un de sensible.
toi sensible. Bien sûr. The leafcutters have raised their first major ant. Its swollen head is filled with muscle to power its crushing jaws. Few stand against it in combat and escape unscathed. This champion warrior will make a fine addition to the colony. Hop. The ants have uncovered a small velvet worm hiding underground. It will defend its home fiercely. Okay. Daybreak has arrived, and the creatures of the night scurry back to the dark crevices of the undergrowth. For the ants, however, the objectives of the day remain unchanged. Locate vegetation, defend supply lines, and process leaves. There is no time for rest. Ok. Ça va être le groupe 3. Pour l'instant, on va l'envoyer là-bas. On va essayer de faire des opérations militaires avec ce groupe. 10. 11, 12, 13, The battle has begun. On va investir à fond là-dedans. Oula! Commence à être compliqué le stockage. Contre un mob invisible, mais t'inquiète. Oh, le retard sur l'adversaire. J'ai que pour l'instant 2000 de retard. Alors j'avais 4000. Mais attendons, attendons de voir, hein, tout espoir n'est pas perdu. Le retard peut peut-être encore se creuser. A fully developed velvet worm measuring a titanic 7 centimeters in length has come face to face with the ants.
Only a coordinated, multi-pronged effort by the soldiers will be effective in subduing this mammoth predator. Oh, les fourmis deux, les fourmis deux. Bah niveau 2. Ah oui. Bah je sais pas. The ants will fight to the death. Il est vénère le machin. The colony is starving. There's not enough food to feed the new brood. Les bonnies. Il faut mis stéroïdes. C'est vrai que j'en ai quelques-unes qui sont quand même bien, bien ma stock. D'attaquer, on va voir hein. On va voir ce qui se passe. One of the ants has fallen prey to a young leaf mimic praying mantis. Once in range, its long razor-clad forelegs can ensnare and impale victims with lightning speed. These leaves are contested. The leaf cutters will generally not attack unless provoked, but today there's too much at stake. Only a strong show of force will deter the opposing colony. J'ai tout perdu. Ah, j'ai pas tout perdu, mais. Opposing leaf cutters have retreated from one of their harvesting sites. They may have been easily startled this time, but they'll soon be back, and in greater numbers. J'ai suffisamment perdu, par contre. Ok, là c'est leur armée qui arrive. Pousse, on s'en va. On va aller là-bas. Leafcutters aren't the only ants nearby. Whilst the two Atta colonies joust for territory, Odontomachus Bowery trap jaws roam the clearing. They can be found hunting alone or in small packs for vulnerable invertebrates to take back to their nest. They use snapping jaws to bludgeon their targets, exerting 300 times their body weight in a single blow. Saloperie.
3000 d'avance maintenant. Le petit enfluré. On va leur casser la gueule. The leaf cutters have clashed northeast of the nest. Night falls, and under the cloak of darkness, velvet worms, bush crickets, and harvestmen emerge from their hiding places. Any ant straying from the relative safety of the trail will likely meet with an unfortunate end. Il y en a une grande et une petite. Oui, forcément, il y a un serpent pile là où je veux aller. A Paracanthus varius bush cricket has spotted the ants. Its thorax and appendages are adorned with sharp protruding spikes, offering 360 degrees of protection and turning its substantial forelegs into a pair of deadly flails. This spiny devil will not easily be deterred. Saloperie de bestia, il y en a partout. Hein. Bonne nuit, qui s'en va? Attendez. Sheka, bonne nuit Sheka. Des bisous à la prochaine. J'ai raté plein de messages. J'ai pas tout fait cette semaine encore, mais faut manger plus. Oui, c'est vrai que t'es... Enfin, tu travailles. C'est ton taf, oui. D'être musicien. T'es dans un orchestre, hein, t'avais dit ça le dernier coup. The battle has begun. Putain, mais la nuit, c'est vraiment la misère. Ah, en amateur, d'accord, je crois que c'était son taf. There are intruders in the nest.
paix. Un deuxième ici. Dans 3000 d'avance. Pas mieux que tout à l'heure, mais ça reste. Je pense que je vais upgrade, du coup je vais commencer à upgrade, à passer les fourmis level 2 ou level 3. The leafcutters have secured a vital harvesting site from their opponents. Ce bruit. Une attaque. Il protège du coup là-haut. Et je me demande si je peux pas aller rechoper une petite... Non, en vrai, vas-y. Parce que on va aller chercher des ressources. On va continuer de rajouter quelques fourmis là. Si on a combien du coup? 25, 26, 27. C'est pas mal. Oh, il est gros celui-là. Attends qu'il fasse jour et je retourne. Je retourne les titiller un peu. Ils ont perdu les 1000 d'avance là. Ils avaient 2000, ils ont plus que 1000. 1500. 2700, pardon. Ils avaient 3000, ils ont 2700. 2500. Oui, ce qui n'est pas génial, je vous l'accorde, mais c'est mieux que rien. Hein. As the sun rises over the treetops above. The diurnal jungle invertebrates emerge once again to replace their nighttime counterparts. The ants will remain steadfast in their efforts. All must be risked for the harvest. D'abord aller là-bas. J'ai quasiment... Elles sont toutes level 2 là, les mes grosses méga fourmis, elles sont toutes level 2. Parce que c'est elle qui meurt le plus, hein. Parce que c'est elle qui tank en fait. Hein.
et du coup ça veut dire qu'on peut même passer, hop là, c'est la level 3. The leaf cutters have clashed northeast of the nest. The leaf cutters have secured a vital harvesting site from their opponents. Quand elles viennent une par une, là je me fais casser en deux du coup. Mais il y a plein de fourmis sur la route. Opposing leaf cutters have been cleared from an area to the northeast. Harvesting operations can now continue. Retourne leur casser la bouche. Ils sont à 12 000, je suis à 9 000. A territorial dispute has arisen between the Atta colonies. Je vais essayer d'aller dans leur fourmilière, du coup je suis curieux. Comment je fais pour y aller? On peut faire des méga attaques. Il me fait gagner un temps fou du coup, hein. Fait gagner un temps absolument fou.
Du coup, le temps que ça repop et tout. Échelle de 1 à 10, c'est mieux comment? Ça a l'air d'être mieux que l'invasion des Thierry. Bah, la mission est mieux parce que, tu vois, je meurs pas au début. Et c'est vrai que quand tu meurs au tout début et tout, c'est chiant un peu. Hein. On va pas se mentir. Mais si, c'est dans ce jeu-là où il y a des Bernard l'ermite, effectivement. Après je vais quand même perdre hein, parce que là tu vois ils ont repris 3000 d'avance. C'est pas 4000 mais bon. On va vous revider pour regarder un petit peu. Donc là c'est leur réserve de feuilles. Là c'est leur décharge. Alors je sais pas trop ce que c'est la différence entre les deux. J'ai l'impression que ça c'est des ouvriers, ils ont pas tant d'ouvriers que ça hein. Ils ont des ouvriers là. On peut en faire autour de la reine du coup. Ok. Et puis là. Et alors ça, ça doit être des guerriers. Ça, ça doit être des guerriers. Ça doit être des guerriers. Ça doit être des guerriers. Et là, les gros, ça doit être des mastodontes là, des majors. Il y en a combien des majors? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Ouais. Je vois. Ça va vite rattraper. Je suis pas sûr qu'on puisse. J'en sais rien en vrai. Peut-être que si. A fully grown Shudoxiops periputra, leaf mimic praying mantis, is grazing amongst the vegetation. Not only is it more dangerous in its final instar, with near perfect camouflage against the leaves, it is also a master of stealth. Mais je vois que je peux en tout cas leur faire une attaque et je pourrais être beaucoup plus offensif que je ne suis. As the twilight fades, the daytime creatures withdraw to their hidden refuges to wait out the darkness. Genre, si on fait ça, no such luxury. The cogs of the leafcutter machine will grind on throughout the night. The opposing colony to the north has pulled back some of its harvesters. They need time to regroup. Vachement nombreux, mais je sais pas. Predators are loose in the nest. The larvae must be protected. Ils sont beaucoup plus nombreux que moi. Hein.
ces petites là, level 3, elles picotent. Hein. Mais je pense qu'il y a moyen peut-être de jouer un peu plus offensif du coup. Genre pour le bloquer. Ouais, mais là, est-ce que du coup de nuit? Parce que de jour, hein, je pense qu'il y a moyen. Là, forcément, de nuit, mon réapprovisionnement il est galère et tout. Mais là, on arrivait à tenir quand même vachement longtemps. Alors qu'on n'a pas de ressources, que mes renforts peuvent pas arriver à cause des grillons et tout. Mais que c'est sur ta crafté que t'as des vitas. Ah, ça serait bien. This young queen has successfully raised her first. Non mais on peut pas servir dans. Je pense en fait les ressources là que vous voyez en haut, les 100 sur 140, c'est ce que j'ai besoin pour construire. Ces trucs là, je peux pas les. Elles sont pas physiquement là en fait. Si vous voulez, je peux ramasser les feuilles par contre, mais c'est pas des ressources directement. J'ai l'impression que ce qu'on doit accumuler, c'est le nombre de ressources de vertes là, mais elles sont pas palpables. Palpables. C'est le nombre de ressources qu'on doit dépenser en fait, en tout. On va faire ça là. 3. Là. Hop. Je suis désolé hein, si je rate des messages. Je suis vraiment à fond dans le jeu à chaque fois. The small scouting party of minor workers could lead any number. Mais eux, ils commencent déjà avec des guerriers et tout, tu vois. Ils ont un avantage en early, Mais maintenant que je sais que je peux faire le focus et tout. The workers have located a patch of young seedlings, just what they were looking for. Bon, j'explique pour ceux. The leaves are soft enough to be sliced up with ease and carried back to the nest. Non, je sais pas. Je pensais à la reine Palpala. Dans Star Wars. The leaf chunks are not eaten directly. Ah, ça marche moins. Instead, they are used by the very smallest. Du coup, pour vous expliquer, en gros, on doit ramasser des feuilles qui sont pas considérées comme des ressources, c'est considéré comme des feuilles. Derrière les feuilles, les petites fourmis les posent sur ces là où je fais mes unités. Hop. Ça fait du champignon. Et c'est ce champignon-là qui sert de ressource. Y'a Penea, merci beaucoup pour le raid. Bonsoir à toi et à tes viewers, sur quel jeu étiez-vous? Fin d'araignée. The ants activities outside the nest have not gone unnoticed. They are being watched. Je pense que je vais faire une méga opération de blocus. Hikaru no Go, je ne sais pas ce que c'est. Un animé, je suppose. D'accord. C'est probablement pour ça que je ne sais pas ce que c'est. C'est bien? Putain d'insectes, c'est mort. Ignorez-les. Pas de bonne vie. Moi, je contrôle des fourmis, je me bats contre des fourmis. Voilà. Et parfois, on affronte des araignées. Des criquets, des mantes religieuses. Je me suis battu aussi contre des coccinelles et des Bernard l'ermite. Voilà. Un vieux animé de notre génération. De notre génération? Qu'est-ce que t'es en train de sous-entendre? Notre génération, vieil animé. Qu'est-ce que tu sous-entends? Je t'écoute. J'ai quel âge selon toi?
Au final, c'est un enfant de 4 ans avec une raquette. Raquette électrique. T'as pas la vingtaine. Ça sous-entend quoi? Que j'ai plus ou moins de la vingtaine? Entre 30 et 50 ans. Ah bah bien. La trentaine. Ah bah bien. J'ai officiellement entre 12 et 72 ans. À 50 ans, je dirais. Ça, si je l'oublie pas trop, bah... Je prends le pari que ce soit pas la vingtaine, en tout cas. The most accessible leaves are located to the north of the nest entrance. La chance que je sois pas susceptible. However, another Atta colony has already laid claim to them. The close proximity of these nests places the two colonies in direct competition with one another. Time will tell which has the potential to grow into a great empire. Déjà de la trentaine. Submit to the unforgiving law. Ouais, entre 12 et 72 ans aussi. Tu trouves qu'on est vieux? Alors, moi, je crois pas avoir dit que j'avais la trentaine. Je ne dis pas mon âge. Je suis pudique. Non, je me trouve pas spécialement vieux, ça dit en passant. Ça veut dire oui. Bah voilà, voilà. Hop. Moi aussi je suis Puduc. Attends, quoi? Ah non, j'ai mal compris la question. Ici à part Morgana. Mais non, il y a Ilf aussi. Arrêtez, vous oubliez Ilf. Il a 18 ans maintenant, Ilf. Mais c'est vrai qu'ici, la moyenne d'âge est assez... Bon. Ah, vous êtes jeune. Vous êtes de notre génération. Au moins. On peut mettre 5-6 ans de moyenne, bah oui, c'est lamentable. Je suis sûr que je t'ai rajeuni. Parce que tu penses que j'ai 40 ans? Très bien. Très bien, très bien, très bien. Il fait officiellement le droit de regarder cette chaîne, c'est vrai. Avant, il était VIP de la chaîne, mais il n'avait pas le droit. Puisque c'est marqué interdit. Tu fais bien 27, hein, oui. Je crois que tu as ton âge, c'est vrai, tu as raison. Tu as trouvé exactement mon âge. Vous ne connaissez pas la crampe? La crampe, hein. Ah, mais si, mais... Pff, ah oui, le truc que t'as envoyé, oui. Mais en plus, je t'ai dit, je connais, c'est juste que je me souviens pas par cœur du truc. Et j'ai vu Pulp Fiction plusieurs fois. Mais je t'avoue que ça m'a pas marqué plus que ça, le mec dans son costume SM. Il a 32... Très bien. Allez-y. Faites vos pronostics et puis le gagnant, il a gagné. Dire l'âge dans la roue, bah non, parce que du coup, on peut le faire qu'une fois. As the sun sets below the horizon and the thick rainforest canopy shrouds all but the slightest glimmer of moonlight, the predators of the night begin to emerge. Ça y a marqué. Bah, moi, non. Club Dorothée. J'ai jamais regardé. Mais je connais de nom comme tout le monde, je pense. Entre 72, il m'a sorti 64. Voilà. Bah, c'est un... Ça marche, non? C'est un nombre random entre... Alors, t'as la fin de la vingtaine. Parce que si j'avais pas la fin de la vingtaine, j'aurais forcément regardé.
Oui. Du coup, j'ai plus 32 ans. J'en ai 27. C'est bien, on évolue. Quel sera le prochain pronostic? 28, allez. Fin de la matinée, multiplié par 2 maintenant. Ça va bien. Il approche, les prédateurs avancent dans l'ombre, comme devant les boîtes de nuit après 3h du matin. The colony is starving. There's not enough food to feed the new brood. Overwhelmed by the defensive leafcutter forces, the harvestman decides to make a swift exit. Hop. Bon alors t'as 45, bon même pas 55, c'est vrai. C'est pour ça que je me rase la tête, parce que je suis chauve en fait. Avec un masque de jeûne. Elles sont 3000, j'ai 1000. Ça fait casser la gueule. Alors ça, c'est pas hyper précis, les cheveux. Mais drôle, sans souci. Royal, t'as le droit de témoigner aussi, si tu veux. Ah, une hule veut aussi quelque chose. Je suis désolé, les gars. Je te merde fort, ils sont toujours en coloration et je suis... Non mais je dis ça parce que c'est un sujet qui t'angoisse, je sais qu'à chaque fois qu'on parle de calvitie, t'es là, la calvitie, j'ai peur. Je ris. Ah, lui, il doit moins rire. Ah, oh, c'est les cheveux blancs. Bah, rase tout. Fais une teinture. Rase tout et fais une teinture. Il n'arrivait pas à se résigner, ouais, j'imagine ça doit être relou. Je ne peux qu'imaginer. C'est rasé, noir et brillant, plus de problème. Je pense que si, c'est, si ça m'arrive, je ferais pareil. Enfin, c'est bon. Déjà là, je me rase, tu vois, hyper court. Hein. Donc finalement, entre la boule à zéro et ça, il n'y a pas grand chose. Côté maintenant. En sorte que ça revienne vite fait. Voilà, hop, pause. A young velvet worm, Oroperipatis ecuadoriensis, has been uncovered by the ants. These ancient mysterious predators are masters of ambush. They creep toward their unwitting victims silently on soft hollow legs. Once in range, they squirt oscillating streams of slime, forming a wide net that entraps their prey.
Voilà. Eh ben, la soirée ce soir. Yup, Mister Valère. Merci beaucoup pour le raid. Bonsoir à toi et tes viewers. Sur quel jeu étiez-vous? Tino, s'il te plaît. T'étais sur quoi? Pour changer. Oh. Sois pas mesquin. Personne ici ne pense que tu fais toujours des vieux jeux Nintendo. Ou Sega. Personne. Ou alors s'il y a quelqu'un qui se dénonce. Hein? L'efficacité, n'est-ce pas? Bravo. Daybreak has arrived, and the creatures of the night scurry back to the dark crevices of the undergrowth. For the ants, however, the objectives of the day remain unchanged. Locate vegetation, defend supply lines, on va aller plus loin d'un coup. And process leaves. J'aimerais aller là avec eux. For rest. Et là, pareil, on va faire. A brightly patterned jumping spider, say Casviri D. Purpureus, has subdued one of the workers. This expert solo hunter combines extreme agility with incredible force. Que j'adore. Ah oui, c'est le petit truc en 2D là, c'est ça? Enfin, le petit truc. Le jeu indé en 2D. With pinpoint accuracy. One of the ants has fallen prey to a young leaf mimic praying mantis. Once in range, its long razor-clad forelegs can ensnare and impale victims with lightning speed. The ants have been spotted by a small velvet worm outside the nest. Hop. À nouveau, c'est le remaster du 2 sur GameCube. Ah! Ah oui, non, d'accord, oui, pour Paper Mario. Je me dis pour Blasphemous, c'est marrant, du coup, c'est pas du tout ce que je pensais. Non, mais si, j'ai inversé les. Tout va bien. C'est un jeu qui m'a toujours fait envie, Blasphemous aussi. Un de ces jours, peut-être, faudrait que je le fasse. D'araignée. Elle a buté beaucoup de. C'est quoi ça? C'est le ver à soie qui a fait ça? Ah, les araignées ont buté beaucoup d'unités. Hein. Puis elle se barre après. On a saloperie. Ah.
Bon, ça a l'air d'être clean le chemin enfin. Alors, on va faire pas mal d'ouvrières et de... De petites combattantes. Des bisous à Mister Val, merci encore pour le raid, repose-toi bien la prochaine. Dark Soul en dé... Ouais, ouais, bah je sais bien, c'est pour ça, ça me fait envie. Zibou. Ah, celles-là, elles sont chiantes, là. Whilst the two Atta colonies joust for territory, Odontomachus Bowery trap jaws roam the clearing. They can be found hunting alone or in small packs for vulnerable invertebrates to take back to their nest. They use snapping jaws to bludgeon their targets, exerting 300 times their body weight in a single blow. Hop. Voilà. Voilà, on va rebooster notre prod. De manière exponentielle, j'ai envie de dire. Beaucoup de retard, hein. 4000 d'avance. C'est toujours le même truc en fait, c'est toujours 4000. The battle has begun. Là en vrai ça va, enfin, pourtant je trouve que je suis pas si mal placé que ça, mais... Avec toutes les petites ouvrières que je vais faire, ça va aller un peu plus vite. Ah non, je t'ai dit, je change de strat, je vais essayer de bourrer. The ants must defend themselves. The colony is starving. Ah, je sais pas celle-là. To feed the new brood. Elles sont ultra vénères. En plus, elles me chopent un par un. Bonne nuit nulle, à la prochaine, on poste bien. Alors, il me manque du coup 3. These leaves are contested. The leaf cutters will generally not attack unless provoked, but today there's too much at stake. Only a strong show of force will deter the opposing colony. Oh, mais encore ces putains de fourmis, là, elles me... Mmh.
Ils sont ultra pénibles. C'est 4800, c'est vrai que je prends du retard. Plus on avance et plus j'en prends. The leafcutters have raised their first major ant. Its swollen head is filled with muscle to power its crushing jaws. Few stand against it in combat and escape unscathed. This champion warrior will make a fine addition to the colony. Saloperie de criquet. Night falls, and under the cloak of darkness, velvet worms, bush crickets, and harvestmen emerge from their hiding places. Any ant straying from the relative safety of the trail will likely meet with an unfortunate end. Ouais, bah oui, mais je suis pas sûr de réussir à leur péter la goule du coup, parce que là déjà, j'ai pas commencé à faire l'armée que je veux envoyer, donc. J'aurais dû mettre des grosses fourmis comme ça pour escorter dès le début. A Paracanthus varius bush cricket has spotted the ants. Its thorax and appendages are adorned with sharp protruding spikes, offering 360 degrees of protection and turning its substantial forelegs into a pair of deadly flails. This spiny devil will not easily be deterred. Quelle misère. There are intruders in the nest. Queen is in imminent danger. Mais par quoi? Comment elle est rentrée ce machin? Quel truc, le criquet? Sur les petites araignées là, en vrai ça va. Les criquets ils sont balèzes. Hein. Ah, il aurait pu aller sur eux, ça m'aurait aidé. Bon. Predators are loose in the nest. The larvae must be protected. Ah.
The queen is in imminent danger. Mais ils viennent m'emmerder jusqu'ici, hein? Hop. Raider du Starval, non mais tu étais ici. Mais oui, il fait ça souvent. The battle has begun. Est-ce que les deux streams sont disposants après? On espère. Et quelquefois Twitch. C'est vrai. Bon, je suis en train de développer mon armée. Hein. Ah mais ils ont 6000 ans, j'ai jamais eu un retard aussi gros. Comment j'ai fait pour prendre autant de retard là? Enfin, c'est quand même élevé là ce que j'ai. Obligé d'attaquer maintenant. Hein. J'attends qu'il fasse jour et j'attaque parce que j'ai pas le choix. Jusqu'au jour, hein. Ouais, je pense, oui. Mais de nuit, je peux pas y aller parce que j'ai pas de réapprovisionnement de toute façon. As the sun rises over the treetops above, the diurnal jungle invertebrates emerge once again to replace their nighttime counterparts. The ants will remain steadfast in their efforts. All must be risked for the harvest. Qui se battent contre la menthe religieuse.
A fully grown Pseudoxiops periputra leaf mimic praying mantis is grazing amongst the vegetation. Not only is it more dangerous in its final instar, with near perfect camouflage against the leaves, it is also a master of stealth. Ah oh, bah non. Je pensais que j'aurais le temps, mais ils sont allés hyper vite, ça. Comment j'ai fait pour aller si lentement? Non, si, j'étais à 8000 aussi. Mais si, c'est ça, j'étais à... Pourquoi je veux recharger, moi? C'est pas comme ça qu'on fait. Quand attaqué, ils étaient à 13299. Pourtant, ils étaient à 13100 quand le jour s'est levé, mais... Que j'attaque avant, mais alors comment je peux faire? Parce que j'ai l'impression qu'ils sont déjà beaucoup plus nombreux que moi. Ou alors je fais beaucoup moins d'ouvriers et plus de militaires. Bon, je reviens vite fait. Et j'en lance une. Je suis plein. Putain, je suis parti en mode c'est bon, vas-y. Y'a pas de S. Vas-y, manite leur ligne comme nos ancêtres résistants. J'aimerais bien. Ok.
Dungeon Keeper, non, enfin, mais je connais. On en parlait aussi que ça fait un peu penser à ça. Te plaire. Voilà, c'est pareil, hein, c'est des fourmis. Faut dire qu'elles marchent au pas. Ok. Allez, on est reparti du coup. Peut-être étourdir hein, du coup. Plutôt que provoquer. On va changer. Ouais, ouais, non mais si, je connais, je sais, je sais. Tu contrôles un seigneur du mal là, qui doit gérer un donjon et puis... Tu baffes tes sbires. This young queen has successfully raised her first daughters beneath the leaf litter of the rainforest floor. The nutritious fungus she fed them as larvae. Pourquoi j'ai plus de ressources que tout à l'heure, hein. If they don't. Parce que je me suis trompé de mode de difficulté. Non, c'est ça. J'avais 92 tout à l'heure. Ok. This young queen has successfully raised her first daughters beneath the leaf litter of the rainforest floor. The nutritious fungus she fed them as larvae is now dwindling. If they don't find food quickly, they will all starve. Over time, waste builds up in the fungus gardens, and if left unchecked, it can attract necrotrophic parasites. To deal with this problem, Atacephalotis dig out subterranean waste heaps, preferably as far as possible from the healthy nursery chambers. Pas si je suis trop profond là. De toute façon, je me suis gouré. Attendez. Je me suis gouré sur le nombre d'ouvriers et tout ça. This young queen has successfully raised her first daughters beneath the leaf litter of the rainforest floor. The nutritious fungus she fed them as larvae is now dwindling. If they don't find food quickly, they will all starve. Est-ce que c'est trop bas là? Je sais plus. 92 là. Oh, bizarre. The small scouting party of minor workers could lead any number of deadly jungle creatures back to their undefended queen. Je pense que je vais faire beaucoup moins d'ouvriers et beaucoup plus de soldats. Parce que je me suis fait emmerder au début, beaucoup au début, par des araignées, des machins comme ça, et j'ai perdu un temps assez impressionnant.
The harvested leaf chunks are not eaten directly. Instead, they are used by the very smallest minim workers to cultivate a nutritious fungus. Over time, waste builds up in the fungus gardens, and if left unchecked, it can attract necrotrophic parasites. To deal with this problem, Atacephalotis dig out subterranean waste heaps, preferably as far as possible from the healthy nursery chambers. Ok. C'est bon. The ants' activities outside the nest have not gone unnoticed. They are being watched. C'est le prix de bestiole. Faire 10 pour commencer. Je suis une merde. Je pensais vraiment que ça passerait, mais non. Pourtant, ça fait 3 fois et 3 fois qu'il m'emmerde. This young queen has successfully raised her first daughters beneath the leaf litter of the rainforest floor. The nutritious fungus she fed them as larvae is now dwindling. If they don't find food quickly, they will all starve. The juicy grubs nearby are a staple meal for many underground opportunists. But for now at least, they will... Difficulté? Non mais parce que, en fait, le niveau des ressources au début, je sais pas pourquoi j'en perds 8. Je suis à 100, et j'en perds 8. Ah mais si, parce qu'elles naissent. This young queen has successfully raised her first daughters beneath the leaf litter of the rainforest floor. The nutritious fungus she fed them as larvae is now... J'ai recommencé parce que j'étais mal... If they don't find food quickly, mal aligné. La symétrie, bah oui, la symétrie. The small scouting party of minor workers could lead any number of deadly jungle creatures back to their undefended queen. They will need time and luck on their side. Mais c'est pas vrai! Genre dès le début! A brightly jumping spider, Cecasviridae purpureus, has subdued one of the workers. This expert solo hunter combines extreme agility with incredible comment perdre un, allowing it to un early rapidement. Prey with pinpoint quel accuracy. Enfer. J'ai perdu la moitié de mes ouvrières. The harvested leaf chunks are not eaten directly. Instead, they are used by the very smallest minim workers to cultivate a nutritious fungus. Over time, waste builds up in the fungus gardens, and if left unchecked, it can attract necrotrophic parasites. To deal with this problem, Atacephalotis dig out subterranean waste heaps, preferably as far as possible from the healthy nursery chambers. The workers have located a patch of young seedlings, just what they were looking for. The leaves are soft enough to be sliced up with ease and carried back to the nest. J'ai l'impression de faire des gauche-droite depuis tout à l'heure pour esquiver les araignées et les autres trucs.
Elle me suit. Elle suit les endroits où je vais. Battle has begun. La bataille, la bataille. La meuf elle saute et me tue une unité. Tu parles, t'appelles ça une bataille toi? Non mais là vraiment leur lit, je prends trop tarif dès le début, je me fais enchaîner. Elles sont pas très fortes ces araignées. Hein. Mais quand elles viennent te taper dès le début et que t'as aucune unité, bah ça pique un peu quand même. Le massacre, ah ouais, c'est une boucherie. Sans viande du coup, mais... Ou alors viande de fourmi peut-être, mais... The most accessible leaves are located to the north of the nest entrance. However, another Atta colony has already laid claim to them. The close proximity of these nests places the two colonies in direct competition with one another. Time will tell which has the potential to grow into a great empire, and which will submit to the unforgiving law of the underworld. Déjà quoi? J'ai quand même beaucoup de retard à cause des petits trucs en early là. Pourtant, je voulais faire plus de militaires justement pour éviter ces soucis-là, mais... Ouais, bah c'est dès le début, oui. De toute façon, tu vois. L'objectif. En fait, l'objectif il apparaît quand j'ai construit ça ou si je mets trop de temps. The colony is starving. There's not enough food to feed the new brood. The battle has begun. Une seule soldate, ça lui enlève tout sa vie. Ou deux, c'est la victoire. Ouais, en vrai, je vais relancer parce que dès le début, là, j'ai déjà perdu. J'essaie de pas faire d'ouvrière du tout. This young queen has successfully raised her first daughters beneath the leaf litter of the rainforest floor. The nutritious fungus she fed them as larvae is now dwindling. If they don't find food quickly, they will all starve. The juicy grubs nearby are a staple meal for many underground opportunists, but for now at least, they will go ignored. This budding Atacephalotus leaf cutter colony has only one viable source of food. Enfin, je vais en faire, mais genre ici, quoi. Mmh.
Over time, waste builds up in the fungus gardens, and if left unchecked, it can attract necrotrophic parasites. To deal with this problem, Atacephalotis dig out subterranean waste heaps, preferably as far as possible from the healthy nursery chambers. Je vais faire que des guerrières. The small scouting party of minor workers could lead any number of deadly jungle creatures back to their undefended queen. They will need time and luck on their side. The workers have located a patch of young seedlings, just what they were looking for. The leaves are soft enough to be sliced up with ease and carried back to the nest. The harvested leaf chunks are not eaten directly. Instead, they are used by the very smallest minim workers to cultivate a nutritious fungus. On les apporter là-bas du coup. The ants' activities outside the nest have not gone unnoticed. They are being watched. A young velvet worm, Oroperipatis ecuadoriensis, is lurking over ground. These ancient mysterious predators are masters of ambush. They creep toward their unwitting victims silently on soft, hollow legs. Once in range, they squirt oscillating streams of slime, forming a wide net that entraps their prey. On va faire que des unités de offensive. C'est long. Parce que du coup, je vais faire un méga chemin pour aller les choper. Défonce-les. Pour l'instant, je peux pas. Allez, la première. Nous en faut 3 et on n'a plus de problème d'araignée en vrai. The battle has begun. Allez, une deuxième. Je sais pas si c'est une bonne strat. Hein. Il y a quand même beaucoup de risques dans cette stratégie, en vrai. The most accessible leaves are located to the north of the nest entrance. However, another Atta colony has already laid claim to them. The close proximity of these nests places the two colonies in direct competition with one another. Time will tell which has the potential to grow into a great empire and which will submit to the unforgiving law of the undergrowth. Allez. Bye Tino, des bisous, à la prochaine, repose-toi bien, merci d'être passé.
ou bon courage pour l'étage, je ne sais pas, l'un ou l'autre, comme tu veux. Normalement, on va, avec cette strat, on perd du temps au début. Mais à terme, on en gagne. Bon, en tout cas, on en perd moins. A brightly patterned jumping spider, Cecasviri D. purpureus, has subdued one of the workers. This expert solo hunter combines extreme agility with incredible forward vision, allowing it to pounce on unsuspecting prey with pinpoint accuracy. Yes, cool. Allez. As the sun sets below the horizon and the thick rainforest canopy shrouds all but the slightest glimmer of moonlight, le retard que je prends, il doit être enfin, the predators of the night begin. Les zinzins forcément, puisqu'avec ces strats, fait pas d'ouvriers en early. J'ai l'impression qu'ils évacuent moins bien le truc. Et je sais pas pourquoi. Peut-être si je fais ça, ça ira mieux. Je sais pas pourquoi ils évacuent moins bien le mycène. Peut-être parce que les. Vu que c'est une petite araignée par. Une petite fourmi, pardon, par. Par slot. Et que les slots de guerriers sont beaucoup plus rentables que les slots de. D'ouvriers. Mais que le nombre de petites fourmis elles-mêmes. The ants have uncovered a small velvet worm hiding underground. It will defend its home fiercely. Okay. C'est que là, il y a que des guerrières qui vont dehors.
The ants must fight. Ces problèmes de... Ah, du coup, ça va faire des petites araignées et ça va pas faire de la récolte. Alors peut-être que... Enfin, des petites fourmis, à chaque fois, je me trompe. C'est galère un peu. Hein. Don. Ah non, c'est la fin de ma phrase. Voilà. Vous saurez jamais. Le 9 remake. Oui, j'ai entendu ça. Enfin, j'ai pas vu que c'était sur Epic, mais j'ai vu qu'il y avait un leak de FF9 Remake. Le temps que je mets pour faire les mêmes nombres d'unités. On est sur une prod. Ouais. On est sur une prod. Pas la même. Ils sont déjà 2-3 fois plus que moi. On a moins d'ouvriers qui meurent. Ça, c'est sûr. Après, bon. On arrive plus ou moins à évacuer. Ça se réduit. Peut-être parce qu'ils allaient poser des trucs là-bas et du coup ils mettaient une vie à l'extraire. Que maintenant, vu qu'il commence à aller là, ça va mieux. Bah là-bas. Hein. Ou peut-être là, vas-y. Il reste 3-4 feuilles à choper ici. J'aimerais bien choper toutes les feuilles autour de chez moi, comme ça on est tranquille. En tout cas, s'il y a FF9 Remake, j'espère que ce sera en un seul jeu. Parce que, bon, j'ai rien contre le concept de chapitre. Voilà. Si pour eux, c'était mieux de le faire en 3 qu'en 1, bon, admettons, chaque partie est quand même vachement cool. Mais je préfère... Si jamais j'ai envie de le rattraper, je préfère le faire en un seul jeu que de le voir faire en 3 ou 4 chapitres. For the ants, however... The objectives of the day remain unchanged.
locate vegetation, defend supply lines, and process leaves. There is no time for voilà, rest. Si on me demande mon avis. Bah on te le demande pas, espèce de con. Plaît-il, Polydev? Quoi faire avoir... Ah oui, oui, effectivement, on était un peu de marge. En plusieurs chats titre le jeu. Je comprends toujours pas. Avec un seul chapitre. Bah, après, tu vois, c'est même pas sans ça parce que. Je veux dire, la plupart des fans de FF7 ont bien aimé le fonctionnement du remake puisque c'est quand même des jeux complets, c'est pas juste des moitiés de jeux. Mais c'est vrai que. Bah. Moi qui ne l'ai pas fait, et je suis pas spécialement fan, j'aimerais bien le rattraper tout. On me dit, ok, j'ai fait FF9, enfin le remake, et du coup je connais l'histoire. Parce que je sais qu'on m'en parle aussi comme un bon FF. Mais j'avoue que si je dois acheter 3 jeux dispersés sur 10 ans... Pff, bon. Ça me botte moins. An ant has fallen prey to a wandering harvestman. Its long, slender legs keep its vulnerable body elevated high above the leaf litter. And when threatened, it can release strong-smelling odors to deter other predators. A stern response will be needed to drive this striding nuisance away. On commence à prendre un peu mieux, là. On commence à sortir la tête de l'eau. The colony is starving. There's not enough food to feed the new brood. Bon. PS5, ça met 10 ans à porter sur PC. Une PS6, hein, peut-être. On sait pas, hein. On ne sait pas. Qui peut le dire ? Putain, j'ai enfin mes 20 premiers. Mais là, en vrai, ça va beaucoup plus vite. Enfin, Leafcutters aren't the only ones nearby. Whilst the two Atta colonies joust for territory, Odontomachus Bowery trap jaws roam the clearing. They can be found hunting alone or in small packs for vulnerable invertebrates to take back to their nest. They use snapping jaws to bludgeon their targets, exerting 300 times their body weight in a single blow. Ça c'est pratique quand même, on va pas se mentir. Voilà, donc ça c'est le premier de fait. J'aimerais bien leur coller quelques gros guerriers pour les aider, mais on va d'abord... Alors 3, voilà, 7, 10, 13, 13, 16.
Voilà. Est-ce que c'est pour Fable, je craque. Fait pour Fable 2. Non. Il se sera PC Day One. Je peux te le garantir. Tous les jeux Xbox depuis ces dernières années, c'est tout le temps sur PC et Xbox. Il n'y en a pas un seul qui n'a pas été. Oh ! Ah, d'accord, ces fourmis là, et c'est leur fourmilière ça ? Elles se barrent avec les cadavres d'araignées ! Parce que du coup, elles les mangent, je suppose. Intéressant. Je viens de le remarquer. Est-ce qu'on met des bleus pour les aider ? Ouais, il y a quand même peu de chances que ce soit pas le cas. One of the ants has fallen prey to a young leaf mimic praying mantis. Once in range, its long razor-clad forelegs can ensnare and impale victims with lightning speed. On va mettre 7 bleus par... C'est un peu ambitieux, 7 bleus. C'est beaucoup même. C'est pas ambitieux, c'est beaucoup. Et là, on recommence à prod beaucoup trop par rapport à ce qu'on... The ants must defend themselves. C'est à chaque fois la merde avec ça. Une peau mal d'avance. Ce qui est bien du coup, c'est qu'avec ça, après, on peut vraiment bourrer et... Il n'y a pas trop de risque qu'on se fasse attaquer sur le chemin. Enfin, on peut se faire attaquer, mais vu qu'on les tatane... Après, faut... la seule solution pour que je m'en sorte, c'est vraiment de faire un all-in là-dessus. Night falls, and under the cloak of darkness, velvet worms, bush crickets, and harvestmen emerge from their hiding places. Any ant straying from the relative safety of the trail will likely meet with an unfortunate end. Thank you.
Pep, pep. Overwhelmed by the defensive leafcutter forces, the harvestman decides to make a swift exit. Mec s'éclate, hein. On est toute l'armée d'un coup, baf. Il me faudrait une reprod, donc The opposing leafcutters have retreated from one of their harvesting sites. They may have been easily startled this time, but they'll soon be back, and in greater numbers. Il faudrait vraiment que je passe en all-in et que je les rase pour bloquer complètement leur progression. The leafcutters have raised their first major ant. Its swollen head is filled with muscle to power its crushing jaws. Few stand against it in combat and escape unscathed. This champion warrior will make a fine addition to the colony. The colony is starving. There is not enough food to feed the new brood. Hop. J'aimerais bien en mettre en moins 3 de chaque. Ok, faut qu'on se barre de là. On va aller là, c'est bien. Possible. The ants must fight. Ah bon? Hop. Moins 3 de chaque. Parce que là, leur armée, ils sont combien? Je crois qu'il y en a au moins 10 des grosses, mais. Ça va être pour escorter les convois déjà. Il faut faire un blocus là-bas. The ants must defend themselves. Predators are loose in the nest. The larvae must be protected. Les magros, ça. Alors,
Sont chiantes ces petites fourmis là. The ants must fight. Bah là, l'araignée qui arrive, qui fait coucou. As the sun rises over the treetops above, the diurnal jungle invertebrates emerge once again to replace their nighttime counterparts. The ants will remain steadfast in their efforts. All must be risked for the harvest. Bon, ils sont à 10 000 en vrai, on peut pas trop attendre plus. Hein. The colony is starving. There's not enough food to feed the new brood. A fully grown Pseudoxiops periputra leaf mimic praying mantis is grazing amongst the vegetation. Not only is it more dangerous in its final instar, with near perfect camouflage against the leaves, it is also a master of stealth. Not religious. Partout. Bon. Elle bouge pas ma petite fourmi là. Smile. Je le sens pas du tout ce plan, mais écoutez, parfois on n'a pas le choix. Faut sacrifier les jeunes. On a plein de feuilles en stock. Ah.
va repartir. On va préparer l'attaque à partir de maintenant. These leaves are contested. The leaf cutters will generally not attack unless provoked, but today there's too much at stake. Only a strong show of force will deter the opposing colony. Et le casque qui déconne. The leaf cutters have secured a vital harvesting site from their opponents. Ah, du coup, on va se faire bloquer par une montre religieuse sur le chemin. Qui va peut-être causer notre perte, du coup. On n'arrive pas à la tuer là. Je chope toutes les bestioles du monde. A territorial dispute has arisen between the Atta colonies. Voilà, j'ai aucune chance de m'en sortir. J'ai zéro reprod. Ouais, voilà, je suis rincé. Et vu que j'ai zéro reprod, je peux pas revenir là-dedans. 6h du mat encore, hein. C'est pas possible. Bon, cette strat, pas ouf, en vrai. J'ai pris trop de retard, hein. Économiquement parlant. The nutritious fungus she fed them as larvae is now dwindling. If they don't find food quickly, they will all starve. The juicy grubs nearby are a staple meal for many underground opportunists. But for now at least, they will go ignored. This budding Atacephalotus leafcutter colony has only one viable source of food, and it must be collected above ground. Ok, je sais pas de quoi vous parliez. The small scouting party of minor workers could lead any number of deadly jungle creatures back to their undefended queen. They will need time and luck on their side. The workers have located a patch of young seedlings. Moi sur Dofus, j'ai connu plein de gens qui essayaient d'imiter mon pseudo. The leaves are soft enough to be sliced up with ease. Mais c'était tout le temps pour arnaquer. An ant has fallen prey to a wandering harvestman. Its long, slender legs keep its vulnerable body elevated high above the leaf litter. And when threatened, it can release strong-smelling odors to deter other predators. A stern response will be needed to drive this striding nuisance away. The harvested leaf chunks are not eaten directly. Instead, they are used by the very smallest minim workers to cultivate a nutritious fungus.
Over time, waste builds up in the fungus gardens, and if left unchecked, it can attract necrotrophic parasites. To deal with this problem, Atacephalotis dig out subterranean waste heaps, preferably as far as possible from the healthy nursery chambers. Hoppa. J'y vais. Ah, les premiers serveurs en plus. The nest have not gone unnoticed. They are being watched. Alors, vu que je suis nostalgique, des fois, du coup, je retourne. Enfin, des fois. Je suis retourné il y a pas longtemps, on va dire, plutôt. Sur le... Un truc rétro, là, Dofus rétro. On va mettre deux bâtisseuses ici qui s'occupent que de bâtir et de rien d'autre. Ça, j'ai pas le problème de d'en envoyer un d'un côté et l'autre de l'autre. Attends, de fusion. Ah, mais j'ai joué aussi en 1.0, enfin 1.29. J'ai joué sur Lily. Donc c'est pas un des premiers serveurs, hein. Ça arrivait quelques années après, mais. A brightly patterned jumping spider, Cercasviri D. purpureus, has subdued one of the workers. This expert solo hunter combines extreme agility with incredible forward vision, allowing it to pounce on unsuspecting prey with pinpoint accuracy. Et toi là, pinpoint d'accuracy là. Bah c'est ouais la différence moi ça m'a fait un peu ça m'a un peu embêté sur le moment c'est que c'est effectivement Dofus Retro avec les mêmes règles le même truc mais les gens c'est pas les mêmes enfin genre la communauté c'est vraiment pas la même qu'à l'époque ça se sent ça se sent. The most accessible leaves are located to the north of the nest entrance. However, another Atta colony has already laid claim to them. The close proximity of these nests places the two colonies in direct competition with one another. Time will tell which has the potential to grow into a great empire, and which will submit to the unforgiving law of the undergrowth. Du gros joie depuis tout à l'heure avec avec les petites fourmis là. Est-ce qu'il n'y a plus de traces du bon vieux temps de Dofus en site internet mortel et barbock. The colony is starving. There's not enough food to feed the new brood. Ah, on a voir Brakmar et Montez, des anges sur des monstres, si tu attaques les gens, si tu sens qu'ils sont vivants. Ouais, bien sûr. Je sais. Mais ouais, ça a un peu bougé les communautés. Plus trop la même limonade. Enfin, c'est surtout ça qui me. C'est normal, hein, évidemment, mais bon. Quoi, lui, il me tape lui? Je sais pas ce qu'il fait. Ouais, il est pile devant l'entrée en plus. Le mec relou quoi.
On peut bouger, ouais, bah ouais. Non, vraiment, moi, c'est vraiment la mentalité des gens qui m'a... Enfin, c'est pas du tout la même, et pas dans le bon sens du terme. Enfin, je suppose que c'est partout sur Internet, hein, pas seulement sur Dofus, mais... C'était mieux avant. The workers have done all they can to improve these leaf stores. Ça a été Fortnite. As the sun sets below the horizon, and the thick rainforest canopy shrouds all but the slightest glimmer of moonlight, the predators of the night begin to emerge. Le mec à fond dedans là, ça me fait délirer, c'est vraiment... Mais arrêtez, oh là là, c'est... Sont pénibles ces petites bestioles parce qu'elles sont vraiment pas fortes, mais... Mais tu te fais quand même casser la gueule, ouais. Oui. Aura va se faire rincer plus vite par rapport à... les différences. Ouais, je sais pas. J'ai pas connu beaucoup d'autres MMO. À l'époque. Si, WoW. WoW, maintenant, moi ce qui m'a choqué sur WoW, c'est que si tu joues à la souris, tu peux te faire insulter. Même si c'est un mec qui te connaît pas, qui est pas en train de jouer avec toi, qui est juste... Moi je me suis déjà fait insulter sur Twitch, sur un chat Twitch, sur le mien, parce que je jouais à la souris sur mon stream. Avec un mec qui me connaissait pas, hein, qui jouait pas avec moi, qui était venu m'insulter. C'est osé. A young velvet worm, Oroperipatis ecuadoriensis, is lurking over ground. These ancient mysterious predators are masters of ambush. They creep toward their unwitting victims silently on soft hollow legs. Once in range, they squirt oscillating streams of slime, forming a wide net that entraps their prey. Faire aussi comme un gros puant, c'est ça, je clique sur mes sorts. Mais surtout que en plus, un MMO comme moi où t'as des GCD, donc, c'est-à-dire que t'as, je sais pas, 0,5 secondes, je sais plus combien, d'attente entre deux sorts que tu lances, ça devrait pas être... Enfin, c'est typiquement pile le genre de MMO où en vrai, on s'en fout. Alors, forcément, tu peux utiliser la caméra et tout plus facilement en même temps que tu lances tes sorts. Mais en vrai, avec le GCD, ça va quoi, les gars. C'est pas Counter-Strike non plus, hein. Des gueules des coms, aïe aïe aïe. C'est insupportable. Un mec qui se croise sur un fast FPS.
Tu peux avoir plein de sorts. Il n'y a pas tant de sorts que ça. En tout cas, quand j'y jouais, je sais pas sur les nouvelles versions, mais à l'époque où j'y jouais, il n'y avait vraiment pas tant de choses hors GCD. T'avais juste les consommables, tu sais, les trucs comme ça. Et du coup, ce que je faisais, c'est que j'ajoutais les consommables ou les bijoux, les trucs comme ça, en macro. Donc en gros, je fais use tel sort, et puis si tel bijou est dispo, bah, je l'utilise. Donc ça revient au même, tu vois. Whilst the two Atta colonies joust for territory, Odontomachus bowed. Aujourd'hui, je sais pas. Roam the clearing. They can be found hunting alone or in small packs for vulnerable invertebrates to take back to their nest. They use snapping jaws to bludgeon their targets, exerting 300 times their body weight in a single blow. The colony is starving. There is not enough food to feed the new brood. Zut, c'est plus rien. Il me faut des soldats. The ants have uncovered a small velvet worm hiding underground. It will defend its home fiercely. There are intruders in the nest. Voilà. Spamé d'ouvrières. Ça va être la guerre économique. Daybreak has arrived, and the creatures of the night are going back to the dark crevices of the undergrowth. À l'époque. For the ants, however, the objectives of the day remain unchanged. Locate vegetation, defend supply lines, and process leaves. There is no time for rest. Hop. 25, ok. Et du coup là... Sept, du coup. 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Ça va. Voilà. Thank you.
13, 14, 15. 16. 7. Ah. Ok. J'aime bien faire des chiffres ronds dans mes unités. Après, pour lancer les sorts à la manette, ça doit être galère quand t'as 3 barres de sorts. Je sais pas comment ça marche ou à la manette, faut dire. Ouais, 25, mince. Battle has begun. These rove beetle larvae are distant relatives of the European devil's coach horse. Despite a few million years of separation, they share the same carnivorous appetite, razor-sharp pincers, and most importantly, a fearsome final form. Okay. A fully grown Pseudoxiops periputra leaf mimic praying mantis is grazing amongst the vegetation. Ah! Not only is it more dangerous in its final instar, with near perfect camouflage against the leaves, it is also a master of stealth. Changement de plan! Alors, 21, 22, 23, 25. The ants will fight to the death. Oh, mais c'est pas vrai! Elle saoule cette montre religieuse. Ah, puis elle se nourrit, la saloperie. Elle se nourrit de nous. Pas qu'on puisse envoyer des montres religieuses au combat. Une petite dizaine. Ce serait pas mal. Ou une petite vingtaine. Moi je dis dizaine, mais. J'ai commenté, nous a été remis par monsieur Tatata. Et c'est toi, monsieur XX? The ants must fight. Je voulais rêver de parler à quelqu'un qui s'appelle XX. The leafcutters have raised their first major ant. Its swollen head is filled with muscle to power its crushing jaws. Few stand against it in combat and escape unscathed. This champion warrior will make a fine addition to the colony. Je les aime pas celles-là, elles sont relou.
Bon. Ils ont encore 4000 d'avance. En train d'élever une armée de bleus là. Nom du vendeur, d'accord. C'est peut-être son nom qu'il a mis aussi, je sais pas. Oh, mais c'est pas vrai. The ants must defend themselves. Alors, en plus, elles ont une régène, mais alors de zinzin. Perdre un temps précieux. Bon. Alors, glisser une zone. Night falls, and under the cloak of darkness, velvet worms, bush crickets, and harvestmen emerge from their hiding places. Any ant straying from the relative safety of the trail will likely meet with an unfortunate end. T'as pas ça du coup? Si! Je crois que j'allais me coucher depuis 2 heures. Bon, ça va, ne commence pas, hein! A fully developed velvet worm measuring a titanic 7 centimeters in length has come face to face with the ants. Only a coordinated, multi-pronged effort by the soldiers will be effective in subduing this mammoth predator. A Paracanthus varius bush cricket has spotted the ants. Its thorax and appendages are adorned with sharp, protruding spikes, offering 360 degrees of protection and turning its substantial forelegs into a pair of deadly flails. This spiny devil will not easily be deterred. Je crois. Mais non, mais c'est pour ça que j'ai branché mon casque, mais quand je le branche, ça fait tudut 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 tudut. Ça arrête pas. Overwhelmed by the defensive leaf cutter forces, the harvestman decides to make a swift exit. J'en rajoute 2 encore et puis je tente l'attaque. De toute façon, ils sont à 10 000 déjà. Moi, je suis qu'à 5 800. Plus j'avance, moi, je m'en sors. Non mais c'est trop, c'est quoi ça? 3 criquets, mais c'est bon les gars, pitié quoi. C'est quoi cette blague? Starving.
There's not enough food to feed. Bah oui, je me doute, on a perdu 3 de... Enfin... Les mecs sont arrivés, ils ont tout cassé, quoi. Ah, puis ils vont bloquer la... Oh, putain. There are intruders in the nest. Flingué. J'ai presque plus de feuilles. These leaves are contested. The leaf cutters will generally not attack unless provoked, but tonight there is too much at stake. Only a strong show of force will deter the opposing colony. C'est... Voilà. La réserve est assez grosse pourtant, non? Je suis blindé de feuilles. Faut qu'on attaque maintenant. De nuit, ouais, je tente des trucs. The battle has begun. J'ai amélioré toutes ces unités là. Opposing leaf cutters have retreated from one of their harvesting sites. They may have been easily startled this time, but they'll soon be back, and in greater numbers. Allez, ouf. On va level up ça. Fait exterminer.
As the sun rises over the treetops above, the diurnal jungle invertebrates emerge once again to replace their nighttime counterparts. The ants will remain steadfast in their efforts. All must be risked for the harvest. Stop. Attendez les gars, attendez. Reculez. Nous ne donnons pas un par un. One of the ants has fallen prey to a young, leaf-mimic praying mantis. Once in range, its long, razor-clad forelegs can ensnare and impale victims with lightning speed. Il y a quand même beaucoup d'unités ici. Toutes les feuilles qu'ils ont ramassées hier, qu'on leur a un petit peu contrées. Moi, j'arrive à m'en sortir un peu mieux avec les déchets, mais ça reste. The workers have done all they can to improve this refuse dump. Bonjour. The leaf cutters have secured a vital harvesting site from their opponents. Bonjour. Ah attends. Peut-être moyen des interrupteurs là. On a coupé leur armée en deux, j'ai l'impression. Go back, go back.
putain, ils sont chiants là. Tout le monde là-bas. Ils sont pas mal chargés là. Moi je suis grosse. Attends, bouge pas. Sauf le bide dedans. Et sort tout. Mais. What? Royal. Non, non, pardon, pardon. Pas la buter parce qu'elle a chance qu'elle va m'emmerder sinon. Idem pour lui là. Plus là, non, ils ont bloqué leur prod du coup. Religieuse ou un truc dans le coin là. Allez, recommence. Ils ont recommencé à prod. Ok, on va refaire un blocus. Attends, hop. On va essayer de les choper au retour. Enfin, ça va se passer, mais. Par contre, la décharge et le carburant à fond parce que j'avais tellement accumulé de ressources là. The battle has begun. Du coup, il vient m'emmerder, lui, et sur la fin, forcément. Merde, ces fourmis de ces morts là. Oula, ah oui non. Ah c'est bon, on les interrupte un peu là. On les intercepter. Non, elle passe à côté. Ah les saletés. Moi je vais les intercepter. Juste là et on va en profiter pour aller là et là. Et ramasser toutes leurs ressources. Ah, je me suis fait rincer en fait. Pas rincer. Donc, j'ai pris un certain coup quoi. Bah oui, j'ai pas activé le mode combat. Oh, j'ai perdu toute mon armée, j'ai pas activé le mode combat. J'ai désactivé le mauvais mode. Eh, je comprends pas, je me suis fait rincer. Ah mais pourquoi mes unités tapent pas? Ah bah je suis mort. Putain, je suis vraiment fils de pute. Dusk approaches. As the twilight fades, the daytime creatures withdraw to their hidden refuges to wait out the darkness. The ants can afford no such luxury. The cogs of the leafcutter machine will grind on. Les conneries comme ça, ça devrait pas être permis.
The Leafcutters have secured a vital harvesting site from their opponents. Oula non, retraite. On est en train de les rattraper en vrai. Hein. Petit à petit, ça prend un peu de temps, mais. Combien de bestioles sur le chemin? Intruders in the nest. The queen is in imminent danger. Mais what? Ah, puis ils sont à l'autre bout, les mobs. Putain, je perds là-dessus. Je perds vraiment là-dessus. Genre, c'est pas une blague? Jamais été aussi bien et j'ai perdu. Je peux pas rester là-dessus, c'est pas possible. Genre vraiment. Oh bah les Vodja. Bon, en vrai, de toute façon, faut que j'arrête. Là, faut que je dorme instantanément pour avoir 6 heures de sommeil. Donc, ça va être compliqué. Ça va être compliqué. The queen is dead. Oh non, je suis vraiment dégoûté. Her royal guard was slaughtered and her chambers unceremoniously ravaged. Oh, j'étais tellement bien. Et c'est une petite infiltration à la con. Bon, on a la strat. Ce soir, on la tombe. Ou la choucouette. Bah, il faut que je mange avant. Ouais, bah voilà les renforts qui arrivent. J'étais si bien. J'étais si bien. Oh. Mais il est vraiment très cool, hein, cette faction. Enfin, cette race. Du coup. Ok. Bon, du coup, on se lance un petit raid et on s'arrête. Hop. YouTube, pardon. Pouce bleu, commentaire, vous abonner, partagez la vidéo, ça m'aide énormément. N'hésitez pas non plus à activer la petite cloche pour être notifié quand sortir de nouvelles vidéos. À me suivre sur mon compte Twitter, à me rejoindre sur mon serveur Discord, à me suivre sur la deuxième chaîne YouTube et sur mon compte TikTok. Tous les liens sont dans la description. Puis moi, je vous dis à la prochaine fois pour de futures aventures, que ce soit sur YouTube ou sur Twitch. Allez, salut.